Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer dans Excel une macro de manière simple. Dans un premier temps, donc, nous allons créer cette macro avec la fonctionnalité d'enregistrement. Puis, dans un deuxième temps, utiliser cette macro. Et enfin, nous allons enregistrer le classeur d'une manière qu'on puisse réutiliser plus tard cette macro. Qu'est-ce qu'une macro dans Excel? C'est un petit programme qui a été écrit en langage VBA qui va nous permettre, en lançant la macro, de faire des tâches répétitives. Et plutôt que ce soit moi qui vais refaire toujours cette tâche répétitive, ça va être Excel avec la macro qui va me les faire. Comme on utilise une fonction enregistrement, je dois moi lui montrer ce que je veux faire et Excel va enregistrer. Il est évident que si je fais une erreur ou si je ne maîtrise pas très bien les différentes tâches, Excel va enregistrer mes erreurs et quand je vais lancer la macro, il va reproduire ces erreurs. Donc on ne peut, avec cette fonctionnalité enregistrement, que faire des macros que on maîtrise les tâches. Donc maintenant, nous allons passer à la phase enregistrement. Deux manières pour lancer l'enregistrement d'une macro dans Excel. Soit je vais dans l'onglet affichage et dans l'onglet affichage, je vais chercher dans le ruban macro. Si je clique sur macro avec la petite flèche, je vois que je peux ici enregistrer une macro. Deuxième solution, c'est en me rendant dans la barre d'état, à côté de prêt, j'ai un petit symbole et si je clique dessus, je vais passer à la phase enregistrement. Je clique dessus et vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît, enregistrer une macro. Dans un premier temps, je dois choisir un nom à ma macro. Attention, ne pas utiliser de caractère accentué ou de mettre un espace entre deux mots. Donc ici, je vais lui donner comme nom tableau. Ensuite, j'ai la possibilité aussi de joindre une touche de raccourci à ma macro pour pouvoir la lancer plus rapidement. CTRL plus une lettre. Attention à éviter d'utiliser déjà des raccourcis clavier qui existent, genre CTRL plus A, CTRL plus C, CTRL plus Z, etc. Pour éviter d'avoir un problème, ce que je fais moi, c'est que je vais joindre CTRL plus Shift plus une lettre. Donc, pour ce faire, j'ai déjà CTRL, il ne me reste plus qu'à appuyer sur la touche Shift et par exemple la lettre W. La macro peut être enregistrée de différentes manières, soit uniquement pour ce classeur, pour un nouveau classeur, ou dans un classeur de macro personnel si j'en avais créé un. Donc dans notre cas, ça sera ce classeur. Je peux joindre ensuite une description. Je vais marquer ma première macro par exemple. Et ensuite, quand j'ai terminé, je peux cliquer sur OK. Quand je vais cliquer sur OK, Excel va lancer l'enregistrement et toutes les tâches que je vais réaliser, il les enregistrera. Donc, attention, on clique sur OK. Je clique aussi sur l'onglet Accueil pour retourner dans l'onglet Accueil. Voilà. Maintenant, dans A1, je vais marquer numéro de salarié. En B1, nom. En C1, prénom. Et en D1, service. Je veux ensuite faire une petite mise en forme des différentes antennes de colonnes. Je sélectionne. Je vais mettre par exemple en gras, souligner et mettre une taille de 16. J'agrandis la colonne. Voilà. Et je me mets ensuite dans A2, prêt à rentrer les informations. J'ai terminé la macro. Là aussi, deux manières d'arrêter l'enregistrement de la macro. Soit je retourne à côté de prêt dans la barre d'état et je clique sur le petit symbole pour arrêter l'enregistrement. Soit dans affichage et dans le ruban, toujours à macro. Je clique sur macro avec la petite flèche et je vois qu'il y a arrêté l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Et donc ma macro a été enregistrée.
Maintenant, je souhaite utiliser cette macro dans une nouvelle feuille. Donc, je crée ma nouvelle feuille et je souhaite lancer ma macro. Pour ce faire, toujours dans l'onglet affichage, je vais dans macro avec la petite flèche, je clique dessus et j'ai affiché les macros. Ici, je vois le nom de ma macro. Je vois qu'il n'y en a qu'une. Et ici, je peux voir toutes les macros, par exemple, dans les classeurs ouverts. Donc, si j'avais 5-6 classeurs avec une dizaine de macros, je verrais ici toutes les macros affichées. Mais je peux très bien aussi sélectionner ce classeur. Ou si j'avais 5 classeurs ouverts, je pourrais choisir le classeur que je souhaite. Donc, ici, on peut laisser sur tous les classeurs. Je vois que je peux exécuter ma macro. Faire du pas à pas, modifier, supprimer ou option. Option me permet de revenir ici. Le nom est figé. Par contre, je peux changer le raccourci clavier ou changer la description. Je vais cliquer sur exécuter. Et vous voyez que ma macro a été exécutée et que j'ai à nouveau les en-têtes qui ont été créées et que je me retrouve sur la cellule A2 prêt à rentrer les informations. Maintenant, je souhaite enregistrer mon classeur avec ma macro afin de pouvoir la réutiliser. Donc, si je clique pour enregistrer sur l'ordinateur et que je fais enregistrer, il me met les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans le classeur sans macro, projet VB, donc mon projet de visuel basique. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur non, puis sélectionnez un type de fichier. Donc, si je clique sur oui, je perds mes macros, donc il va garder le fichier sans la macro, ou je clique sur non et je reviens à ma fenêtre. Et là, dans le type, je vais sélectionner le type que je souhaite. Donc c'est dans notre cas le deuxième choix, classeur Excel prenant en charge les macros. Je clique dessus et je fais enregistrer. Si je vais voir ici, je vois que donc j'ai une feuille de calcul Microsoft Excel prenant en charge les macros. Et quand je vais ouvrir, attention aux avertissements de sécurité des macros. Donc je peux activer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.